Ouvre la porte. Il est de retour. Jamais content. Chaque fois qu'on arrive enfin à obtenir quelque chose, on a envie d'autre chose. C'est pour cela que le monde va mal. Les gens ne s'habituent pas, les gens ne s'habituent jamais à ce qu'ils sont. Rien ne pourra nous arrêter. Je ne veux pas me séparer de toi. Où que je me trouve, où que je te trouve, ton odeur se fait présente. Et tout de suite après, l'odeur des cierges de l'église pendant le requiem et le vent du cimetière. D'en avoir une autre, tout de suite. Sous ma langue, je sens la présence de ta langue, glacée, et tous tes vers qui palpitent sous ma peau, et tous tes yeux infernaux qui traversent chaque téton. Chaque quoi? Rien. Paroles de chansons qui s'échappent de mes lèvres. Oublie-le, Isidore, je t'en prie. Même si c'est la dernière fois, oublie-le. Oui, maman. Je continuerai à l'oublier. La mer café. Il est triste, le café de l'exil. Tu penses toujours encore à ton pauvre fils. La charogne appelle la charogne. Pense qu'il aurait 9 ans. Si petit, et il cache déjà son âge. C'est ça le privilège de la mort. Non, non. Pas ceux qui désobéissent. Peut-être obéissant, ce ballon. Il était notre péché secret. Notre pont de sang. Pont de sang. Pont d'excréments, vache. Je n'aime pas quand tu deviens grossier. On dirait que ce n'est pas toi qui parles. Allons, partons aujourd'hui de cette maison, j'en ai marre. Il est obéissant, ce ballon.
J'aime bien me sentir tout obéissant contre moi, entre mes mains comme une planète, obéissante comme une planète. Un mal aux dents, ça commence. J'ai mal aux dents, il faut partir tout de suite. C'est dommage, je commençais à m'habituer à cette maison. Fais voir. En effet, il faut partir tout de suite. Oui, il faut quitter la maison. En déroute de Napoléon, comme Dorian Gray dans ses nuits épouvantables. Si peur à la vie. Avec ma guitare, sans aller plus loin, je suis heureux. La guitare est le sel de la vie. La guitare est le sel de la vie. Che corra, che nadie lo soccorra. Che venga, che nadie lo detenga. Che corra, che nadie lo soccorra. Che nadie lo detenga, che corra, che nadie lo soccorra. Che venga, che nadie lo detenga, che corra, che nadie lo soccorra. Che venga, che nadie lo detenga, che corra, che nadie lo soccorra. Che venga, che nadie lo detenga. Témi, notre fils est là. Je suis en communication avec le fond des mers. Attends-moi, ne pars pas, tu n'auras pas. Non, papa. Non, papa. Trois mille.
voir, lieutenant. Madame, regardez cette photo et dites-moi si vous reconnaissez cet enfant. C'est extraordinaire. Madame, à cette heure, on n'embrasse pas un carabinier. Ça porte malheur. Excusez-moi, mais cette photo représente le visage de l'enfant que viennent de me dicter les esprits, il y a un instant. C'est extraordinaire que des choses pareilles se produisent au XXe siècle. Ça va de pire en pire. Vous venez de marquer dans mon visage la silhouette de l'île des pirates. Un jour de printemps sous l'empire du soleil couchant. Fermez vos yeux et jugez vous-même. Oui, c'est vrai. Je ne sais que vous dire. Mon lieutenant, il faut suivre cette enquête jusqu'au bout. Madame, je vous ordonne de répéter le geste que vous avez perpétré contre la neutralité de mon visage. Je vous ordonne de retourner la totalité de vos lèvres contre mon subordonné. Mon lieutenant, j'aime l'amour de votre sévérité. Puisqu'il n'y a pas d'issue. Voilà. Il s'agit de l'île des pirates. Cela concerne la quête de l'enfant. Isidore ? Tu dors ? Isidore ? Raconte-moi une histoire. Eh bien, quand Atahualpa fut vaincu par les Espagnols, il se retira dans son palais d'hiver. Là, il convoqua ses filles. Mes filles, dit-il, avant tout, coupez-moi les veines et remplissez de mon sang ce vase de grès. Après quoi, vous le fermerez et vous n'y toucherez plus. Ainsi firent-elles. 5 ans passèrent. La chaude odeur de sa confidence. 15, il ne put résister à l'envie de la caresser. Mais un jour, la curiosité, ce qu'il fit, fut plus forte que le respect du père. Mais au moment où il allait entrer en contact, ils décidèrent de casser le vase. Avec le sexe, et la Vierge du Soleil, car c'était elle, son échappée. Il laissa tomber son anneau, d'où sortir des millions et des millions de minuscules à ta voix. Il le chercha avec un doigt, avec une doigt, puis avec la main. Le regard des femmes décidèrent de se suicider. Il mit la tête. En s'ouvrant les veines. Carottes 325, poireaux 112, pommes de terre 13, il marcha 40 jours et 40 pommes d'or 210. 6 d'entre eux moururent de la grippe. Et au bout du 40e jour, il nettoyait surtout l'escalier. Il cingua un groupe d'un jour sous les tapis. Il mangeait une vache. Toutes ces cherches-tu pendant qu'il donnait la confession. Il se sentit brusquement attiré. Un anneau d'évêque. Tu vois? Enlève-moi ça. Et que cela ne se reproduise plus. Bonsoir.
Qu'es-tu? Un pauvre orphelin. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me cache. Voyons, ce sont eux qui te cherchent. Ah, des femmes, des femmes. Tu sais, ils ne sont pas loin. Ils étaient là tout à l'heure. Oui, qui ne sait pas ça? Tu n'as pas peur? À quoi bon avoir peur? Autrefois, j'avais peur. Maintenant, ça m'est égal. Ils vont venir d'un moment à l'autre. Qu'ils viennent. Tu es un brave petit garçon, bien courageux. Je suis un petit garçon, tu sais. Un vaillant petit coquin, oui. Tu aimes bien provoquer des angoisses à tes pauvres parents. Tu penses. Méchant, 100 fois méchant. Où sont tes parents? Loin, très loin. Comment ça, en bas? En Australie? En Chine? Puisque tu le dis. Petit enfant gâté. Depuis combien de jours es-tu parti de chez toi? Des siècles. Tu as faim? Très faim. Avant tout, il faut manger. Quoi bon? Il faut tout manger. J'ai toujours avec moi de quoi manger. Mon corps malade exige constamment de la nourriture. Je mange, je mange. Il s'est endormi? Je ne dors jamais. D'autres mers, aruspice d'autres ventres, lapis lazuli de mes cernes, feu salé de mes bûchers, chaleureux cyclones stomacales et perfides, douceur atroce des comètes tressées par la rose de toutes les conversations tacites. Métrique, pulvérisée de la morte saison des colombiers orientaux. Coupole errante de la parque émancipée et mercuriale. Nasal métronome des vêpres menstruantes du bleu hospitalier. Cosmogonie calcinée de mes doigts bacchantes et paresseux. Tout de mon tout. Néant de mon néant, livide dinatoire. Atalaya de mi alhama. Novio de la Macarena. Mange maintenant. Je mange que de l'ail. Thank you.
parce que je déteste les coquillages. Ah, comme je déteste ces beaux paysages marins. Ces magnifiques paysages marins. Je n'aime que les cochons. Les vrais cochons. Cette pauvre Isidore n'a pas arrêté de vomir toute la journée. C'est horrible. Je vais la voir. Quelle horreur. La vie est horrible. Ne rentre pas. Il y a du vomi partout. Ma pauvre fille. Ma pauvre, pauvre fille. J'ai honte, mon père. Ce n'est rien. Ça se cache avec du talc. Ce n'est rien. Tu dois être affreuse. Ça y est. Et maintenant, j'ai quelques billets ici pour te faire rêver. Tu les mérites bien, ma pauvre fille. Pour te faire rêver. C'est curieux. Le simple contact de l'argent me submerge dans le sommeil. Ou dans le rêve. Dors, mon ange. Dors, ma fille. Dors, mon ange. Dors, mon soleil. Ta mère est morte là-bas.
Finalement, Isidore, elle va se suicider. Finalement, elle va se suicider. Finalement, elle préfère l'amour. Ah, comme je la hais. De la fille qui demande au curé, est-il vrai, mon père, que le Saint-Esprit soit une colombe? Non, je la connais pas. Mais si, tu dois la connaître. Après, le curé lui dit, mais ma fille, le Saint-Esprit ne se laisse pas voir, il se laisse seulement sentir. Tu la connais pas? Non. Elle est très amusante. Après, qu'est-ce qui se passe après? Ah oui. Après, elle lui dit, et moi, mon père, est-ce que vous croyez que je pourrais le sentir, le Saint-Esprit? Et lui, il lui répond, oui, ma fille, tu peux le sentir, mais par dedans. Tu es sûr que tu la connais pas? Non. C'est bizarre, c'est pourtant une histoire très connue. Alors le curé lui dit... Tu sens, ma fille? Tu sens? Comme c'est mieux par dedans? Comme c'est bon? Et elle lui dit... Mon père, c'est gros, ça brûle et ça fait mal. Alors tu la connaissais pas? Non, je la connaissais pas. Ben voilà, maintenant tu la connais. Accetto che lo prima.
qu'est-ce que tu fais là? Je mange. Tu manges quoi? De l'ail. T'en veux? Non, non, j'aime pas ça. Pourquoi tu n'es pas rentrée chez toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse chez moi? Il faut que tu vois ta famille. Ah, ma famille. Elle n'a pas pensé, ma famille. Viens avec moi, je te ramène dans ta maison. Tu crois? Où es-tu? Qu'est-ce que t'as à me poser les questions idiotes? Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Où es-tu? Je vais te ramener dans ta maison. Tu m'accompagnerais? Oui. T'auras une drôle de surprise. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ris comme ça? Parce que je ris. Mais ne ris pas comme ça. Ne ris pas avec ce rire-là. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Est-ce que je peux te demander une chose? Oui. Si tu pouvais sauver qu'une personne à la fois et que c'était la fin du monde, qui tu sauverais? Personne. Même pas moi? Non, personne. Est-ce que je peux te demander une autre chose? Oui. Est-ce que tu m'embrasserais sur la bouche? Non. Parce que je suis un enfant? Merci pour l'anneau. C'est rien. Maintenant, nous sommes fiancés, alors. Croustillante, comme moi-même, comme ta famille tout entière, avant l'accident. Combien de filles me rappellent ces miettes de bonté? Promets-moi que tu referas ma permanente. Oui, mais avant tout, le thé. Ah, mon père, les choses qui arrivent dans le monde sont horribles. Encore une bataille que les Allemands perdent. Pire, mon père, ce sont les nouvelles générations. Des pestes. Oui, je vois. Rien qui puisse nous donner de la confiance dans l'avenir. De l'augmentation des prix. Des automobiles, rien en ces nouveaux temps obscènes. Qui a le courage? Là, dans ce journal, il y a quelque chose d'horrible. Un crime. Oh. Là, dans les pages du centre, à côté des cotisations de la bourse. Il y a les pronostics pour les chevaux, il y a le club L'Union. Non, pas là. Tu veux lire, ma fille? Il n'y a que les annonces de mariage. Laissez-moi lire, mon père. Horrible crime épouvante le village de Saint-Sébastien. Hier, jour de l'Ascension de la Vierge, furent découverts dans la maison de la famille Martin
les cadavres de Georges Martin, 45 ans, sa femme Anne-Marie, 37 ans, et son frère, colonel retraité, de 56 ans. Les enfants du couple Martin, deux jumelles de 4 ans, Jeanne, la veuve Martin, de 80 ans, et Josépha Martin, de 13 ans. Les victimes présentaient toutes de sauvages mutilations, et d'après des informations non confirmées, des signes évidents d'abus sexuels. D'après des sources généralement bien informées, le seul survivant de ce festin de sang et de haine aurait été Pierre Martin, un enfant de 10 ans, et qui aurait disparu de la maison. On craint qu'il ait été kidnappé par les malfaiteurs, sans doute des gens de peu d'éducation. En effet, personne ne peut expliquer comment la famille du kidnappé aurait pu payer la rançon, étant donné qu'elle a été préalablement massacrée. D'après notre correspondant, les importantes taches de sang auraient obligé les autorités responsables à faire repeindre la maison afin d'effacer les traces de ce crime, sans doute le plus horrible que Saint-Sébastien ait connu. D'après de nouvelles informations, on indique que les bijoux de la famille auraient disparu. Pas, je me souviens plus. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Je sais pas. Explique-moi, je sais pas. Non, je trouve ça inexplicable. C'est peut-être parce que tu les détestais. Tu crois? Oui, tu les détestais. Ou alors ils te battaient. Non, ils t'ignoraient. Puisque tu le dis. Il ne voulait pas comprendre ce cœur en or pur qui est le tien. L'or. J'adore l'or. J'adore l'or et les bijoux. Les gens commencent à avoir la tête dure. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont plus nécessaires, qu'ils doivent se tuer. Alors il faut les aider, n'est-ce pas? Les gens sont si laids. Si rouge. Oui. Si laid et si rouge. Regarde-le, lui. Il dort, on dirait qu'il est mort. À l'intérieur, c'est plein de sang. Du sang? Non. Je parais que c'est que de l'eau.
De l'eau cristalline. Tu me l'as joué avec ton couteau. Non, je n'ose pas penser, ça me donne des frissons. Je tremble. Tu vois du papier? J'ai ça. Regarde. Dès que les billets entrent en contact avec le sang, ils s'enflamment. Tout de suite. Yes, John, he's a boy. And he's married a boy. He's a good girl. Good girl. Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être avec toi. Ça, c'est nouveau. Pourquoi toutes les femmes veulent être avec toi? Figure-toi que oui. J'en peux plus. J'y tourne. Marie is a good girl. Good girl. Vous êtes si peu nombreuses et tellement exigeantes. Regarde-moi. Regarde-moi. Je perds ma jeunesse. La guerre, c'est bien. Mais on a besoin d'autre chose. Faire un monde moins gris, moins terne. Nous faisons partie de cette grisaille, n'est-ce pas? That's life. That's life. The world is wild. That's life. C'est pas ça, mon amour. Mais à mon âge, on a besoin d'autre chose. Ce qui se passe, c'est que ce monde-là n'est pas fait pour toi. Tu veux quelque chose, alors qu'est-ce que tu veux? Je veux tout ce que tu as. Je te l'ai déjà dit, ma belle. Quand mon enfant sera né, je t'emmène chez le curé. Maintenant, bonsoir. Bon, ce n'est pas le mariage que tu cherches. Tu cherches autre chose. C'est quoi? Je te l'ai dit, je veux tout ce que tu as. Mais tout est à toi. Tu n'as qu'à prendre. Une radio. Tu veux une radio? Pâté Marconi, Radiola, Telefunken, Philco, Condor, la voix de son maître. Tu veux autre chose? Cornet de bif? Calamares? Tu veux du parfum? Oui, du parfum. Tu veux quelque chose de plus? Qu'est-ce que tu veux? Combien de fois il faudra que je te le dise? Je veux tout ce que tu as. Ah. Oui, j'aurais dû y penser. Non. Pas ce soir. Si, ce soir. Dites tout ça. Ce soir ou jamais. Non, moi je dis ce soir et jamais.
t'arrive, tu n'es pas seul. Qui est avec toi? Mon fiancé. Évidemment, puisque ton fiancé, c'est moi. Non, mon fiancé, il me fait des cadeaux. Des bijoux. Ça aussi, c'est du vrai. Tu l'as trouvé où? C'est mon fiancé. Et où est-il, ton fameux fiancé? Ici. Ici où? Ici. Mais qu'est-ce que tu fous ici à une heure pareille, toi? Va te coucher. Je ne dors jamais, monsieur. Je vois. Et pendant ce temps-là, la nuit, tu voles. Oui, monsieur. On va aller faire un petit tour à la police tous les deux. Pourquoi tu ris? Parce que vous êtes très pâle, monsieur. Pourquoi je suis blanc comme ça? C'est à cause de ce qui est en train de se perdre. J'ai eu peur. J'ai cru à un moment que je m'étais pissé dessus. Je me suis dit, ça y est, c'est la vieillesse. Et puis heureusement, je me suis pas tout à fait pissé dessus. Dis donc, petit. T'es rudement habile avec un rasoir. C'est ce qu'on dit. Alors vous êtes venu pour me voler? Oui, monsieur. Ouais. Je crois que je supporterai pas bien l'idée qu'on puisse me voler. Je préfère tout vous donner. Prenez tout. Tout est à vous. Je vous recommande surtout les radios, elles sont excellentes. Dis-moi, petit. Derrière la radio, là, téléphone Ken. Il y a un fusil, tu veux me le passer? Oui, monsieur. Merci. Décidément, je supporterai pas l'idée de vivre castré. Il faut faire vite. Le jour se lève. Thank you.
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Comment rien? Oui. Maintenant, il y a le moment de nous séparer. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux m'abandonner? Mais dis-moi au moins pourquoi? Parce que... Mais tu veux m'en fiancer, non? Ma famille ne t'aime pas trop, tu sais. Elle veut pas me laisser me marier avec toi. Et ta famille, tu as tué toute ta famille. Tu crois? Je sais pas, je me souviens pas. Mais qui es-tu? Devine. Reviens! Reviens! De cimetière, appelant dans sa morvante métronomie. Les os, ma fille, considérons-le dans sa fugue émérite et sulfurante. Que Dieu te bénisse. Il y a à peine quelques semaines que vous êtes parmi nous et déjà j'ai l'impression que nous sommes amis toute une vie. Il est peut-être dû au fait que j'ai voulu toujours avoir une sœur. J'ignore ce que je représente pour vous, mais je vous jure que vous êtes... Qui est là? Ce qui m'importe le plus au monde. À très très bientôt, Carmela. Il ne faut pas prendre trop au sérieux notre chère petite sœur. Elle est très timide. Et la plupart des gens timides... Il leur faut énormément d'affection. Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Toby. Vous avez très bonne mine aujourd'hui. En tout cas, beaucoup mieux qu'hier. Vous êtes 100 fois mieux qu'hier. Beaucoup plus animé. Beaucoup plus. Hier? Qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Il ne faut pas prêter attention à ce qu'a dit le colonel. Le colonel? La main. La main? Morte. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que vous faites comme si les défauts des autres n'existaient pas. Le colonel trouve que c'est de la pure hypocrisie. Moi, je vous avoue que je vous préfère comme ça. Vous êtes 10 fois mieux.
100 fois mieux. D'après vous, j'aurais vu un colonel? C'est drôle. Ma mère dit que vous faites semblant de ne pas nous voir. Elle considère ça comme du mépris. Moi, par contre, je trouve ça charmant. Bien qu'hier, vous êtes allé un peu loin. Je ne me rappelle de rien. Ah, c'est ça, Lille. C'est tout à fait ça. Comment je peux arriver ici? Alors là, vous avez épaté tout le monde. Même le vieux. Il faut dire qu'il avait parié tout son salaire que personne ne pouvait arriver de ce côté de l'île. Et vous l'avez fait, malgré les vagues et les pièges. Pour une femme, c'est pas si mal. Et Malo? Où est Malo? Il est là aussi? Si vous voulez mon avis, je trouve que ma mère exagère à peine, car elle pense que vous mentez, pour le pur plaisir de mentir. Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Mon Dieu, où suis-je? Où suis-je, mon Dieu, mon Dieu? Ne faites pas attention à ce que je dis. C'est la haine des grandes villes qui m'a rendu bizarre. Il faut que je vous dise. Ma sœur et moi, nous sommes les seuls qui vous aimons. Tous les autres vous détestent, notamment la vieille. Enfin, il faut garder les apparences. Il faut qu'on vous trouve comment vous a laissé avant de partir. Mais pour l'amour de Dieu, vous n'avez pas vu l'enfant? L'enfant, le fameux enfant. C'est moi qui suis responsable de lui. Mais si vous voulez que nous soyons amis, il ne faut pas mentir. Mais il faut le chercher. Il faut chercher Malo. Écoute, ma biche, ne mens jamais. Tu es venue seule. Nous t'avons vu arriver seule. Nous savons que tu as volé le bateau. Bien entendu, nous savons que Pierre va venir te chercher demain ou après-demain. Avec la police. Il faut bien te garder jusqu'à leur arrivée. Tais-toi, chair de ma chair. Lave-moi les mains et juge ta joie lointaine, atavique et épargnante. Je suis contente de te l'entendre dire. Encore du thé? Où suis-je? C'est plus grand, n'est-ce pas? Plus confortable. Il faut que je parle avec vous, mais en secret. Pardon? On peut se tutoyer, non? Approche-toi. Il ne faut pas que les autres nous écoutent. Dites-moi. Enfin, à vrai dire, je ne sais pas comment je suis arrivée ici. C'est une histoire complètement idiote. Et une histoire d'amour, si tu veux. Mais il faudrait commencer par le début. Je suis orpheline. Et quand j'avais à peine 5 ans, on m'emmenait à l'orphelinat, pas loin d'ici, où j'ai mal vécu une enfance malheureuse. Cherchant une issue, je me suis échappée à la ville. Comme j'ai mal agi, je suis tombée bien bas, je le reconnais. Mais une nuit, la plus longue que j'ai vécue, la lumière s'est montrée. Sous l'aspect le plus inattendu, un étudiant en droit vint à mon secours. Il voulait me sortir de la boue, mais sans se tacher les mains, le pauvre. Il voulait m'épouser, alors je me croyais sauvée, définitivement heureuse. Quand le malheur s'est présenté sous l'aspect le plus inattendu, un étudiant en médecine qui m'avait connu dans une de ces nuits de débauche de fin d'année qui ont rendu célèbres les Saint-Sylvestre des quartiers malfamés et des villes du Nord, m'a reconnu pendant la cérémonie religieuse et a cru bon de me dénoncer devant tout le monde. Ce jour même, mon fiancé s'est donné la mort.
À la suite de ce malheur, il s'est ensuivi quelques années d'expiation dans un couvent pas loin d'ici. J'ai cru retrouver la paix. Mais un jour, notre directeur spirituel m'a fait part de son intention d'abandonner l'église et m'a demandé de l'accompagner. Je suis venue avec lui, dans un balnéaire proche d'ici, où il s'est marié peu après. Je devins la servante de sa maison. Lui et sa femme d'adopter. J'y ai vécu heureux jusqu'à ces derniers jours. Ça, c'est incroyable. Pardon? Ça doit être très intéressant ce qu'il y a dedans. Je vous ai écouté attentivement. Bien sûr, ça se voit. D'ailleurs, il faut que je parte. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je ne voulais pas vous offenser. Raconte encore. Non, c'est trop. Raconte. Raconte. Le thé refroidit. Tu crois qu'elle dort? Elle ne dort pas, elle ne dort pas. Isidore, c'est moi, Carmela. Elle ne dort pas, elle ne dort pas. Cette femme représente un réel danger pour nos intérêts. Elle va précipiter notre ruine. En n'exagérant rien, n'exagérons rien. Ah non! Ah non! Et les récoltes? Nettoyez-moi ça. Parce que moi, c'est ça. Or plutôt, la fenêtre sans vitre détache. Ah bon? Si c'est la même chose, chaque fois la même chose, chaque fois la même chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas, voyons? Quelle idée? Pourquoi pas, voyons? Quelle idée? L'histoire de la vache qui a accouché pendant la nuit. Oh, le cochon! Un peu plus de sel. Comment non? Et après? Ne me touche pas! Entièrement satisfaisant. Finalement, est-elle endormie ou pas? Est-elle endormie ou pas? Du sang. Oh, oh, quelle horreur, la pauvre. Ça va. Ma vie ne se raconte pas avec des mots. Ma vie coule comme le miel. Ma vie est étroite comme les Thermopyles, comme l'avarice des premiers chrétiens. Il faut s'incliner devant l'inévitable. Plus de sucre. Aujourd'hui, plus rien n'est comme autrefois. La gravitation universelle empoisonne les esprits et favorise les parvenus. Libre. Libre, libre. Kella. Kella. Qu'est-ce que vous faites là? On m'a laissé là. Je suis complètement paralysé. On m'a abandonné, purement et simplement. Oh mon Dieu. Puis-je vous demander un service? Mais oui, monsieur. Je suis veuve, mais enfin, je préfère qu'on m'appelle mademoiselle. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Chantez-moi. J'ai deux amours.
J'adore cette chanson. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Ouais, j'adore. J'ai deux amours. Un plus fort. Voilà, entièrement satisfaisante. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Toby? Maintenant, c'est Carmela. Maintenant, c'est Jérémy. La belle. Voilà, c'est encore Toby. Colonel. Le père. Qu'est-ce qu'il a? Mon Dieu, mais qui c'est lui? Qu'est-ce qui va arriver? Ouh là 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 là, Qu'est-ce qui va arriver? Je suis paralytique, aidez-moi! Cet après-midi me rappelle ce que l'autre monde, pourtant si proche, a d'évanescent et de fané. Le thé refroidit. M'a parlé de vous en termes infiniment élogieux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ce que vous me dites est agréable à entendre. Je dois vous avouer que personnellement, à mon avis, elle exagère. Mais enfin, bref, on n'a qu'une mère. Chère mademoiselle, sachez que vous êtes notre invitée et que vous avez droit à la chambre royale. Mille fois merci. Mademoiselle, pourriez-vous me rendre un grand service? Tout ce que vous voudrez. Ma mère m'a dit que vous chantiez extraordinairement bien. Pourriez-vous me chanter quelque chose, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas trop? J'ai deux amours, mon pays et Paris. J'ai deux amours. Personnellement, je préfère cette chanson qui dit « J'ai deux amours, mon pays et Paris. » De mon point de vue, elle est plus mélodieuse. Non, ne croyez pas que je ne me rende pas compte qu'il s'agit de la même chanson. Mais hélas, j'ai fini par aimer qu'on se moque de moi. Bonsoir, mademoiselle. Il y a des après-midi où je désirerais m'embarquer et partir sans but et silencieusement m'éloigner de n'importe quel port pendant que le jour meurt. Ce sont des fleuves qui vont vers la mer, qui est la mort.
Mais qu'est-ce que tu fais? Il arrive que j'aime les amours impossibles. Mais tu es une femme. Je t'aime, Isidore. Tu sais très bien qu'entre les femmes, l'amour est impossible. Je le sais bien. Qu'est-ce que je suis folle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas suivi. Je viendrai te chercher plus tard, peut-être, pour le dîner. Ah non, ça c'est trop. Ah non, ça c'est trop. Qu'est-ce que c'est ça c'est trop? Ah, c'est la reine. Ah non, ça c'est trop. Tiens. Oh tiens, c'est la reine. Je vous présente la reine. Tenez. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Je t'aime pas du tout. Ah non, ça suffit. Oh. Buvez. J'aimerais bien être seule avec toi. Moi aussi. Alors c'est vrai ce qu'a dit Jérémy? Oui. Donc tu m'aimes? Tu es sûr? Et personne ne me traitera plus comme une bonne? Personne. Et tu seras bon avec moi? Et tu me laisseras me promener librement dans le château? Mon château t'appartient. Enfin, après la cérémonie religieuse. Alors j'accepte. Ma reine. Non, pas de reine ici. Tu voudras? Mettons, madame. Prudence, ma mère. Les murs ont des oreilles. Ah, j'ai hâte d'entendre l'Angélus. Ne dis pas ça. Ça me chatouille. C'est la poudre d'étoiles. Encore du thé. Je voudrais te montrer quelque chose. Mon jardin secret. Le jardin allégorique. Chaque année au printemps, éclate une bataille navale. Regarde, les bateaux de Philippe II. Et là sont les pirates qui les attaquent. La bataille éclate. Les pirates abordent. Férocement. Férocement. Et qui va gagner? Ah, on ne sait pas. Cette année, les pirates ont l'avantage. Comprends. Ce jardin est très important. Parce que de cette bataille dépend notre destin. Tu comprends, ma reine? Tu comprends? Oui, mon amour. Embrasse-moi. Accepteras ton destin. Le bonheur absolu de l'amour. Ma reine, ma reine. Maintenant tu es heureux avec ton prince charmant. Thank you.
Mords-moi le crâne. Ah, ma pudeur. Ah, ma fille. Je ne te reconnais plus. Tu me préfères comme ça, n'est-ce pas? Oui, mon amour. Dans ce cas, dis-moi, qui suis-je? Tu es Toby. Et qu'est-ce que tu penses de Toby? Je pense qu'il est timide. Qu'il aime beaucoup sa famille. Il a un grand avenir s'il décide de se consacrer à ce qu'il pense. Je crois qu'il finira par se réconcilier avec sa mère. Mais malheureusement, le tricycle qu'on lui a volé, il ne le récupérera jamais. Et de moi? Qu'est-ce que tu penses? Tu es très romantique. Tu as beaucoup de tendresse à donner. Tu finiras par rencontrer l'homme qui t'aime, sans encore le savoir. Alors là, tu te trompes. Car je déteste les hommes. Non. Tu sais bien que c'est une façon de les aimer. Puisque tu éprouves ce sentiment trouble. Que les autres appellent haine. Et que moi, j'appelle tendresse. C'est sans doute dû au fait que, quand tu étais petite, on n'a pas su te donner l'éducation sévère dont tu avais besoin. À mon avis, Carmela est persuadée qu'elle finira vieille fille. Moi, je suis persuadée qu'elle est une pute. Enfin, vous avez remarqué la tête qu'elle fait quand elle imagine des matelots en train de jouer au football? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mon colonel. Mais si vous laissez échapper ces paroles si dures, c'est parce qu'au fond, vous êtes amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais pourquoi ne pas accepter cet amour? Moi, amoureux de Carmela? Oui, mon colonel, vous. Regardez-la, non pas froidement, mais avec le désir suspect des oncles au retour de la guerre. L'Église est très ferme sur ce point. Dans des circonstances exceptionnelles, les oncles peuvent se marier avec leur nièce. Vous vous trompez complètement. Je ne peux pas me marier avec moi-même. Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Les enfants ne doivent pas se mêler de la conversation des grands. Mais c'est bien de dire ça. Parce que c'est un enfant gâté. Déjà, à l'âge de 2 ans, il avait refusé pour toujours de manger du poisson. Il faut dire qu'à cet âge-là, il parlait déjà notre langue. Ce qu'il avait d'ailleurs convaincu qu'il était Dieu. C'est dans ce cas qu'il faut une éducation sévère. Vous voulez dire qu'il faut frapper fort? S'il le faut. Mais vous êtes un ange. Vous dites ce que je n'ose même pas imaginer. On a besoin de quelqu'un comme vous ici. Merci, papa. Je savais bien que vous finiriez par m'accepter. Est-ce que je peux vous appeler papa? Vous m'appelez comme vous voulez. 1000 fois merci, grand-mère. Maintenant qu'on est seul et qu'on va se marier, est-ce que tu me préfères raser? Oui, mon amour. Sauf que... Quoi? Non, ça n'est pas très important, mais... Puisque tu tiens tant à me faire plaisir, j'aimerais bien... Quoi? J'aimerais bien que tu changes de costume de temps en temps. Oh, mais est-ce que tu peux être aveugle? Oh! Non, mais il faut lui pardonner. Il pique des crises. Tu sais, on m'a dit que dorénavant... Il fallait que on soit extrêmement poli avec toi parce que dorénavant, tu étais libre et que tu pouvais pénétrer et sortir comme tu voulais dans la demeure. Que
du château. Merci. L'autre côté de l'île. Tu venais droit vers moi. De toute façon, tu pouvais pas faire autrement. Je peux m'asseoir? Mais tu as tout ici. Grâce aux pêcheurs. Tu veux une cigarette, écouter la radio, un whisky, qu'est-ce que tu veux? C'est le paradis. Quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps? C'est une histoire trop longue à raconter. J'aime les histoires longues, mais commence par le début. Je me souviens pas du début. Je me souviens quand je me suis réveillée dans un endroit. Pas loin d'ici, on m'a dit après que c'était un château. Mais je savais pas que s'il y avait un château dans cette île, ça m'a surprise. Je me souviens que je suis restée 2 jours et 2 nuits dans cet endroit, sans manger ni boire. Et alors? Je me suis échappée, j'ai couru, et me voilà. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je te raconte ma vie et la seule chose que tu sais faire, c'est lire dans un journal. Ça doit être très intéressant, ce qu'il y a dedans. Très. C'est une histoire de crime. J'adore les histoires de crime. Me voir? Mais c'est ton histoire, ça. Tu crois? C'est ton crime, oui. Et c'est un journal qui date de 10 ans. Mais alors? Qui était l'enfant assassin? Devine. Isidore. Est-ce que tu t'es déjà regardé dans mon miroir? C'est pas mal, tu sais. J'arrive. Dors.
J'arrive. Ça n'est pas vrai qu'il y a des jours où tout devient métallique, collusion de sentiments, et le violet de la croûte sanglante et vespérale aiguise l'intendance menstruelle de tant de batailles. Quelles idées t'amènent les étoiles, ma mère? Toby, mon amour. Mais Toby, il n'est pas là. Il est à l'enterrement de sa sœur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Carmela? Elle se jeta par la fenêtre de la tour. Vous ne pouvez pas supporter votre absence. Et papa? Papa? Il est mort aussi. Vous ne pouvez pas supporter la mort de sa mère. Donc grand-mère est morte aussi? Ce n'est pas tout. Le colonel... Il était amoureux de vous. Le pauvre. Et Jérémy? Il s'écrasa contre les rochers. Pauvre naïf. Il croyait qu'il pouvait voler. Quelle horreur. Et maman? Elle n'a jamais existé. Tout le monde faisait comme si. C'était une blague de la famille. Enfin, une bonne nouvelle. Les pirates ont gagné la bataille du jardin allégorique. La chute de l'Espagne est inévitable. Et avec elle, la fête du sang commence. Mais si tous sont morts, qui êtes-vous? Moi? Je sais pas. Racontez-moi l'histoire de votre vie. Il n'y a pas d'histoire. Mais je suis sûre que vous attendez quelque chose de la vie. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre raison de vie? C'est une question qui n'a pas de sens. Et qu'est-ce que nous faisons ici ensemble? Après tout, nous sommes ensemble. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pour rien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais rien. Qui es-tu? Carmela? Jérémy? Je
Je meurs. Je ne voulais pas te tuer. Adieu. Là. J'attendais. Tu attendais que je tue Toby ? Oui. Alors tu es content ? Très. Oh mon Dieu. Maman, il va falloir que tu partes. Mais je sais pas quoi faire de ma vie. Va-t'en. Mais... Mon Dieu. Visite. Merci. 5 secondes. Chérie. Maman. Que rien de ce qui s'est passé entre nous ne nous sépare plus que ce qui nous rapproche. La distance. Alors, tu m'as pardonné ? Mieux. J'ai obtenu le pardon de ton père, de l'au-delà. Quel soulagement. Il y a 2 admirateurs qui veulent te voir. Non, non, je ne veux voir personne. Fais-le. Oui, maman. Bon, il faut que je parte. Je t'écrirai de Paris. Peut-être nous reverrons-nous. On ne vous connaît pas, mais au moins on vous doit certaines explications. Vous allez me conduire à l'échafaud, n'est-ce pas? Nous avons tous ce but dans la vie, n'est-ce pas, caporal? C'est la félicité du nom. On nous a donné l'autorisation d'être fusillés en uniforme. C'est un grand privilège. Sans doute dû à l'intervention de la Vierge de Lourdes. La Vierge de Lourdes n'existe pas. C'est un déguisement de Don Sébastien, le roi des purs. J'oublie toujours. C'est à cause du diable. Il faut que vous sachiez que cet enfant merveilleux qui vous a conduit vers l'île des pirates est notre prophète Don Sébastien, qui est connu dans tout le monde. En Angleterre, on l'appelle Peter Pan. En Danemark, Skallagrimson. En Russie, Miguel Strogoff. À l'île de Pâques, Utamatuba. Il réapparaît tous les 10 ans. Il tue avec joie toute sa famille. Il nous apprend à mourir. Et ce qui est le plus important, il nous apprend à tuer. N'est-ce pas, caporal? Oui, mon lieutenant. Est-ce que vous savez où est Don Sébastien? Non, je ne sais pas. Il est dans l'île des pirates. Et pourtant, il est déjà là. Le voici. Mais pourquoi va-t-on vous fusiller? C'est un malentendu. Nous avons égorgé 27 couples d'amants pendant qu'ils faisaient l'amour. C'était en dehors des heures de service. Ils nous ont laissé la chose la plus importante, notre uniforme quand même. Nous serons fusillés dimanche prochain après la messe du midi. Ça sera très beau. J'aimerais être déjà là. Caporal, on va prêter serment. Nosotros, soldados de la gran batalla del mundo, prometemos morir y matar a fin de acrecentar el ejército de los muertos para mayor gloria de nuestra patria cementerio. Prometemos reencarnarnos y tener el honor de volver a morir para mayor gloria de nuestros padres de la patria, los gusanos. Prometemos proseguir nuestra lucha por el triunfo de la muerte a fin de perpetuar nuestra gloria en otras nadas.
Sébastien, c'est là qu'habite ton père. Hein? On ira le voir demain. Sébastien, viens ici, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Laisse les fourmis tranquilles. Ma fille, il n'est pas vrai que ce pays n'est que la tombe des hommes libres et l'heureuse copie du paradis. Ah, ma mère. Ah. Regarde. Voilà ton père. Serrer la main. Mais chaque mouvement que je fais déclenche des catastrophes. Ce simple geste, par exemple, déclenche un tremblement de terre au Chili. Cet autre, une guerre civile en Irak. Comme je te plains, pauvre crétin. Es-tu préparé à mourir? C'est la seule chose que j'attends. Ne me dis pas que pendant toutes ces années, tu m'as regretté. Ça, je le sais. Dis-moi au moins que tu trouves ton fils beau. Sébastien ! Mais qu'est-ce qu'il fait ton fils ? Pourquoi il me tue pas ? Il a même pas de bras. Moi, le pourri. Rats des cimetières empoisonnés par l'eau de la pluie sale et méchante des grandes villes du Nord. Gras pourri. Carcasse de cafard perdu dans un verre de lait. Ton heure est arrivée. Sébastien, tu vas pas me laisser vivante ici. Il faut encore tuer ta mère. Où es-tu, Sébastien? Merde! S'éloigne à jamais. Il n'a pas les moyens, ma fille. Et qu'aurait dit ton père? Je lui en parlerai. Il comprendra que je ne l'aime plus. Il ne le croira jamais. Il le devinera dans le regard ou dans l'haleine. Que de temps pour personnifier la solitude du paradis. Et que d'efforts pour conquérir la pureté de cet ennui. Comme elle eût bâillé ma carcasse, si tant de choses ne se mêlassent. Ah. Quelle vie! Quelle vie!
regarde. Encore. Mon Dieu, jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Patience. Tout recommence. Il y a des jours où je me dis que l'enfance doit être ça. Vivre et revivre. Que pour tant d'énormité. Patience, maman. Patience, ma fille. Tout recommence. Nous sommes ici. Nous sommes ici.